Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Riche et ses archéologues où on retrouve Ayowa de nouveau chez lui. Et pendant que Bichon, il a toujours son petit soleil perso au-dessus de la tête, prend sa douche et tout ça, la dernière fois on avait fini l'aspiration érudit en archéologie. Donc aujourd'hui on va en choisir une nouvelle et je me suis décidée à prendre incroyablement riche parce que ce sera celle qui sera le plus facile à faire. Bien sûr, il faudra gagner 200 000 simflouz, ce sera un petit peu plus long, mais par rapport au baron de l'immobilier, parce que là, on pourra en fait déménager. Une fois qu'on aura fait incroyablement riche, on pourra déménager et compléter celle de baron immobilier. En même temps, on aura de quoi avoir pas mal de thunes. Alors, une maison de 350 000 et des colonnes, 30 fenêtres, etc., etc. Donc, pour l'instant, on part sur incroyablement riche. Je pense qu'on va valider les choses très rapidement, au moins le... Ouais, peut-être Alors le premier c'est sûr, le deuxième avoir gagné 25 000, ça sera fait très rapidement quand je revendrai les assiettes et les grenouilles en surplus. Attention, c'est parti. Voilà. Ah non, il m'a carrément tout validé! What? Il m'a validé tout, avoir gagné 75 000. Ah oui! Ah bah c'est encore mieux que je ne pensais, donc ben on est déjà sur 153 000 pour 200 000. D'accord. Bah écoutez, vous savez quoi? Bon, il est en train de pisser. Ah, je vous vois les voyeuses là. Ben, on va faire le tri, hein. Les assiettes et les grenouilles, vu qu'on a tout. On a tout ici de complet. Bah écoutez, je vais remplir ce qu'il faut remplir, quoi. Voilà! Les trouvailles ont été toutes exposées. Au final, je pense que celle-ci, je vais la mettre là. Et ouais, je vais mettre un peu les grenouilles. Ouf, je sais pas du tout comment les exposer. J'ai l'impression d'être en Space Invader là, un petit peu, hein. Comment elles sont disposées. Donc on a bien 8 grenouilles et 5 assiettes. Tout ce que j'ai dans l'inventaire, c'est ce qu'on a en trop. Donc ça va être incroyable. On va être vraiment pété de thunes, hein. L'aspiration, elle est finie en fait, hein, déjà, je vous le dis, hein. Et regardez ce qu'on a reçu aussi dans le courrier. On a reçu cette jolie plaque. Donc, cette jolie plaque qui signe notre collection complète. C'est marrant parce que pour les trésors de Salvadorada, on n'a pas la plaque. Ah si, on en a une. Ah, bah j'ai rien dit. Donc on aura la plaque. Du tout de ça en fait, tout ça. Ok, on a toujours des trucs à vendre et puis on a toujours des reliques à exposer. Donc faudrait que je mette les reliques exposées. Oh là là, mais cette pièce elle est vraiment trop petite maintenant. Regardez, j'ai des trucs qui traînent par terre et tout. Oh bah quand je suis en train de refaire la pièce, qu'est-ce que je trouve pas là? Une petite autre plaque. Mais c'est pas possible, je savais pas qu'était la plaque. Chasseur de trésors, le plus important, ce ne sont pas les somptueux trésors remplis d'objets précieux. Ce n'est pas pour cela que vous avez parcouru des jungles dangereuses et des temples remplis de pièges. Non, c'était pour cette plaque. Cette plaque est votre récompense ultime. Exposez-la fièrement. Ah, ça fait du plaisir, quoi. Plaque, l'ancien et le nouveau. Et tribolite d'or, et ben voilà. Bah ça c'est... Ah bah oui, bah c'est celle-là pour les grenouilles, en fait. Grenouilles et assiettes. Oh, c'est merveilleux, hein? On se sent bien là. Voilà, je suis en train d'exposer, essayer de faire de la place pour mettre les reliques et tous les trucs sont ici en fait, hein, maintenant. Tous les trucs calcaires, voilà. Voilà pour les reliques pour l'instant, ce qu'on a finalisé et testé. Il y en a une qui est un peu cassounette ici, mais elle compte aussi. Et on va pouvoir rassembler trois autres nouvelles, celles qui sont de Palampalso. Nous en avons une en or du chaos et nous avons deux têtes de Palampalso comme vous pouvez voir et on a trois bases donc ça veut dire qu'on va pouvoir les assembler assez facilement. On a les trois bases donc voilà. Maintenant il faudra juste trouver une autre tête et puis la version en or. Oh, on n'a pas fini au niveau des reliques, c'est un peu plus chiant quoi. Alors la première je vais la faire avec l'observateur, la deuxième je vais la fusionner avec la mort. Et puis celle-là, on est avec le chaos. Comme ça, on aura une de chaque. Hein. Et il a déjà gagné. Voilà, une première. Il a déjà gagné 34 simflouz avec son premier bouquin. C'est merveilleux. Donc, j'avais dit avec la mort. Voilà. Clic, clac, clac. Magnifique.
Et il faudra les activer. Voilà, on en a deux. Donc une de la mort Palampalso et l'observateur Palampalso. Et il faudra donc faire des petits bébés de ça là. Donc tu vas y aller. On va exposer ça. Enfin, on va exposer. On va en mettre un là. On va mettre un. Pff, allez, un petit comme ça. Et puis tu vas m'extraire. Raffiner un cristal et raffiner un cristal, puisque c'est en raffinant les cristaux qu'on peut insérer dans une relique, évidemment. J'avais déjà une pêche raffinée, bah c'est super. Comme ça, on fera avec. Nous avons reçu du courrier, ce qui peut être une bonne nouvelle, puisque nous attendons toujours des éléments pour avoir la collection. Donc, il ira prendre son courrier. Alors? Bon, pas de petite musique, ça veut dire pas de nouveauté. C'est trop nul. Fais-moi voir ce que t'as récolté. Alors ça, c'est nos trucs raffinés. Oh, bah t'as reçu quoi en vrai? Tiens, tu peux m'ouvrir ça. Et ça. Un Sourisaurus fossilisé et une empreinte à trois orteils. Ouais. En vrai, je sais pas si... Ouais, je sais pas. Bon, pendant qu'il s'éclate avec ses plantes, bah on va vendre. Hein. On va vendre. J'ai peur. Hein. Ça, on va tellement gagner de pognon. Oh, vendre 209 000. Ah ouais, mais il y a 23 trucs en tout, quoi, les enfants. On a je ne sais pas combien d'assiettes et tout. On a, attendez, 4 et 4, 8 et 3, 11, 12 assiettes. 13 assiettes. Oh, qui valent près de 10 000 à chaque fois. Hein. Avec 2, 5, 7, 9, 10 grenouilles, quoi. Allez. Voilà, aspiration réalisée. Je peux maintenant donc déménager avec Iowa. C'est officiel. Et on a un budget de 161 000. De 261 000. Simplouze. C'est énorme. Ah, ça va être son nouveau meilleur ami, ça. Hein. Définir comme vélo préféré. Et puis forcément, tu vas te déplacer. Oui, non, bah non. Ce sera son petit vélo d'amour, hein, celui avec qui il parcourra la jungle et son île pour qu'il aille plus vite pour déterrer des trucs. Bon, puisqu'on a déjà terminé l'aspiration fortune numéro 1, on va passer à la prochaine. On verra bien pour compléter tout ça, ne serait-ce que le premier truc, puisque la maison de 50 000, c'est validé. La nôtre vaut déjà 150 000, hein, oui, déjà, oui. Donc, et posséder 15 œuvres d'art, je ne sais pas si c'est compter le trésor ou pas. Et non! Alors ça c'est validé, il nous le valide, mais on a zéro œuvre d'art. Vous devez acheter des œuvres d'art en mode construction dans la catégorie décoration. Donc ça veut dire vraiment des tableaux, tout ça. Ok. Bon, c'était pas du tout le style de la maison de base, mais vu que maintenant on va pouvoir déménager, je lui ferai peut-être un putain de manoir. Oh oui. Ah mais il est trop fort! D'accord, il roule même à l'intérieur chez lui en vélo. Bah c'est logique, oui, c'est normal. Oh là là! Bravo, on dirait que ce foyer respecte tous les plans d'action de quartier actif. Ah bah c'est cool! Oh, t'as gagné une émeraude, mon chou. Ah bah écoute, rentre à la maison. Il se débrouille bien, hein, il se débrouille bien. On n'a toujours pas gagné le dernier calcaire. Et il va falloir que je vois comment faire pour choper un cristal qui est normalement chez... Enfin, qui est accessible avec au travail. Allez, parlons peu, parlons bien, mais là... Voilà, on va compléter nos petites statuettes avec un cristal. Ah, clac, 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 clac. Et on va pouvoir les tester sur des gens, peut-être sur nous aussi, pourquoi pas. Allez, activez sur soi, j'ai peur. Mais bon. Y a pas le choix. Alors? Oh bah ça a l'air d'être positif! L'esprit de Palampalso a offert une bénédiction à Eowa sous la forme d'une petite quantité de simflouz supplémentaire. Ce qu'il choisira de faire avec cet argent reste à déterminer. Oh bah tranquille! Attendez! Relique de la mort de Palampalso, métamorphose squelettique de courte durée, bénédiction de la prise de contact accélérée et de la richesse générale. Mais en fait, on les a déjà...
Bon, il va être transformé en squelette, mais je suis obligée de les activer sur moi, hein, donc voilà. La bénédiction. Et la dernière. C'est beau. C'est que des bénédictions, dis donc. Voilà, hein. Bon ben, il est vachement moins sympa hein, maintenant. Hein. Ça va durer combien de temps? Ça va durer 2 jours, mais au moins on a testé ces trois reliques ici. Je vais donc pouvoir moi les caser, les caser là. Oui, tout à fait. Voilà, on va les mettre ici. Il y a un peu de place. Vraiment pas grand-chose en place, mais un petit peu de place quand même. Voilà. Toutes nos reliques sont ici. Il nous en manque, évidemment. Et puis, ben, Iowa est devenu un squelette de nouveau. Mais parce qu'il faut que je les valide, même si je sais ce que ça fait, il faut que je les valide. Bah, c'est cool, mon petit. On va pouvoir bosser à fond tes compétences, tiens. Mais que fait un squelette dans un désert, dans le parc de désert En fait, je vais essayer de choper les cristaux qui nous manquent parce qu'apparemment, ils sont éventuellement dispo ici, mais il y a très peu de chances. Sinon, il va falloir aller sur Sixam. Je ne sais pas du tout si j'ai le droit de tricher pour aller sur Sixam ou pas du tout. Donc, parce qu'en fait, le truc du trou de ver, oui, il faudrait que je fasse une fusée aussi. Ouais, il faudrait que je fasse la fusée. Ouais, je vais y réfléchir. Bah regardez, c'est pas le costumé, mais c'est convention des fans de cosplay. Et on peut dire que lui, ben, son super cosplay, c'est d'être un squelette, quoi. Mais hyper bien réaliste quand même. Voilà, mais regardez, j'ai déjà trouvé 4 trucs à creuser. Oh là là, ça commence à popper, c'est intéressant ça. Allez, c'est parti. Trouve-moi des trucs sympas, stop. Il est incroyable ce parc, ça repop tellement vite les trucs. Il va jamais s'arrêter, hein. Mais on aura peut-être une chance de choper un truc intéressant, mais bon, j'y crois pas trop. Mais ça repop très vite, j'ai l'impression. Bah tranquille. Du coup, il est en train de regarder les nuages. N'importe quoi. De retour au petit matin, tu vas me faire des longueurs énergiques dans la piscine. Et puis je pense que... Bah voilà quoi, on n'a plus grand-chose à faire et je dois aller sur Sixam. Seul objectif de ma life maintenant, oh, bien sûr, à part les fameuses compétences à monter à 10, on est d'accord. Et voilà, maintenant il pourra avoir sa propre fusée dans son jardin, donc ça va un peu dénaturer le délire de l'île. Mais bon, si c'est son seul moyen d'aller sur Sixam et récupérer les 2 derniers cristaux, moi je suis plutôt pour. Oh là là, 97%, on arrive au niveau 9 de fitness. Continue à faire tes petites longueurs, Iowa! En plus, en étant squelette, tu ne ressens aucune faim, aucune soif, aucune courbature. Niveau 9 de la fitness. Ça, c'est good. Et souvenez-vous, à l'époque où il ne voulait pas courir, ce monsieur était éreinté. Ben là, il me fait des longueurs sans discontinuer, quoi. Bon, en même temps, il est squelette aussi. Hein. Tiens. Maintenant, on a l'archéologie pour le naze qui rapporte 32 simflouz et la bénédiction 56. Ok. Bah ouais. On est en pleine construction de la fusée. Je sais pas si c'est très RP, mais c'est la seule solution que j'ai pour aller à Sixam. Bon, il est déjà niveau 3 de la physiologie avec ses conneries. Hein. Bon, bah, il lui reste 4 heures en étant un petit squelette. Et ben, la fusée est pas mal, hein. On va être bientôt prête. Hein. Rien que la construction de la fusée en elle-même, quoi. Après, je sais pas si je ferai des améliorations et tout, on verra bien. Bon, bah la bénédiction du squelette va disparaître dans quelques secondes. Oh, j'ai cru que ça allait lui péter de succès. Mais il va redevenir le simple Iowa, mais que nous aimons tous, et sexy et charnel surtout, hein. Et voilà, le revoilà. Et du coup, bah il faudra s'occuper de lui comme d'habitude. Oh la vache, ça arrête pas de lui péter au visage ce truc. Mais je pense que là, nous avons fini. Ouais. Et voilà, elle est prête. Oh là là, on va pouvoir aller dans l'espace. Après les temples, l'espace. Ah ouais, il n'y en avait pas assez de la Terre et de la Terre Sims et des temples. Maintenant, il veut découvrir l'espace. C'est un aventurier avant tout, hein. C'est un curieux spectacle, hein. Magnifique aurore boréale, une tête de fusée. La lune.
Une habitation des arbres. Bon, à la limite, l'habitation des arbres. Mais la fusée, c'est chelou. Il est beau. Il est bien bâti. Il est riche. Et pourtant, il est si seul. Pauvre petit Iowa. Oh non! Qui c'est qui est mort? Sophie Pollux! Oh merde! C'est celle qu'on a vue la semaine dernière qui nous a validé le cours qu'on lui a donné, lui aura pas fait grand chose au final. Bon, on va quand même pas trancher trop vite avec la tradition qui est de découvrir des objets anciens pour l'association des bi machin truc muche. Enfin, je pense que c'est ça, ou celui-là, ou un autre. En tout cas, vu qu'ils nous en continuent de nous en envoyer, certains ne sont pas à nous, donc bon. Creepy ou pas? On a le fantôme de Sophie qui veut nous voir pour nous offrir un truc. Ah oui, elle est vraiment là en plus. Ah bah vas-y. Tu nous offres un cristal? Un truc intéressant? On n'oublie pas non plus l'objectif. Parce que en logique, il doit atteindre le niveau 10 et on n'est qu'au niveau 8. Donc on va un peu travailler là-dessus. Bon, finalement, la tristesse l'emporte. On aura avancé un peu sur la logique, mais pas beaucoup. Oui, là-bas, elle va s'occuper de lui. Mais qu'est-ce que c'est? Mais la Sophie, elle est venue à la baraque, elle a fait un gâteau. Faut arrêter un petit peu, hein. On l'a pas laissée rentrer, elle s'est infiltrée, la meuf. Ouais. Bon, sa copine, son amie est morte, alors il est pas très joyeux. C'est la version Iowa dans la Sim Roomba. Tout en étant triste, regardez ce petit roulé d'épaule. Non, il a vrai, décidément, il n'a pas envie. Ah! Si! Ça y est! Oh là là! Quel homme! Et puis hop, c'est reparti pour être la déprime. Bon, c'était pour finir l'épisode avec un petit peu de gaieté et de danse, comme je sais que vous aimez ça. Bon, bah en tout cas, il est moitié triste, moitié bien, on sait pas trop. Je vous retrouve la semaine prochaine où, pour le coup, on ira vraiment explorer l'espace et j'essaierai d'aller sur Sixam pour trouver les deux cristaux qui nous manquent et que ce serait bien de les avoir quand même pendant que monsieur se réconforte avec du sucre. Il a bien raison. Allez, je vous fais des très gros bisous, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager ma chaîne un peu sur les réseaux sociaux pour me faire connaître. C'est le meilleur des soutiens. Des gros bisous. Ciao!